Et salut tout le monde, c'est Midoban et on se retrouve pour l'épisode numéro 14 sur Subsistance. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc l'épisode d'avant, on a réussi à tuer notre premier chasseur. On avait mis cette magnifique lumière. Hop là, on va la laisser pour l'instant, il fait pas encore super jour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai mis ma petite arme ici. J'ai une envie soudaine d'améliorer sa puissance. Voir si ça marche bien. Donc pour ça, il me faut 10 fragments rouges. Pour ça, j'ai mis ça en actif. En actif, il m'en manque plus que 2. Il me faut ces 3 trucs noirs ici. J'en ai 5. Et du circuit. Et un minimum d'électricité. Donc on va faire ça tout de suite pour pouvoir l'utiliser dehors. Peut-être qu'on utilisera moins de balles pour tuer les animaux. Ça sera pratique de tuer le gros flingue qu'on a ici. Donc peut-être pas pour les chasseurs. Hein. Pour les chasseurs, on va garder celui-là. Donc là, ici, tout va bien. De toute façon, j'ai pas grand chose qui pousse. Les poules elles vont très bien. Elles vont bientôt passer encore un level. Après on va pouvoir les tuer quand elles seront niveau 10. Là on a l'étage qui est préparé. Je me demande si dans cet épisode on va pas mettre quelques planches au-dessus pour commencer un peu le deuxième étage. Là il me reste plus qu'un fragment à voir. On va attendre gentiment le dixième et on va améliorer notre arme. Histoire de bien commencer cet épisode. En attendant que j'arrive au dixième, je fais une petite dédicace à un certain qui s'appelle Mika. Merci à toi. Allez, allez, on accélère un petit peu, s'il te plaît. Ah, c'est le blanc qui me manquait, maintenant c'est le rouge. Ah voilà, j'ai le dixième. Hop. Et on va pouvoir normalement tout de suite améliorer ça. J'ai l'électricité requise. Hop, c'est parti. En attendant, on va arrêter ça, que ça consomme pas d'électricité pour rien. Hop, pour l'instant, j'ai pas besoin de fragments. On attend. On commence à avoir un petit peu faim. Ok, ça sera peut-être l'occasion d'utiliser l'arme sur un animal. Voilà. Hop là, c'est parfait. Hop là, je suis un peu bourré. Alors, on va commencer, comme souvent, par un gros tour de loot. Alors là-bas, j'ai caché un loup. Est-ce que c'est l'occasion d'essayer notre arme? Et quel level? Level 2. C'est pas énorme, puis au moins on aurait notre protéine pour la fin d'épisode, on va tester. Ok, il a bougé au moment où j'ai tiré. Je suis un petit peu fâché. Alors là, plus 20% apparemment, on a pris en puissance. Allez, vas-y, viens. Ok. Ok, ouais, bah, c'est super. J'ai... Donc, il a pris un level, c'est très bien. Je niquais toutes mes balles. J'ai hâte de remettre cette vidéo dans mon montage, voir un petit peu si c'est moi qui me suis complètement foiré ou s'ils ont décidé que je taperais à côté. Bon. Non, je suis mort à côté de ma base, ça devrait pas être trop compliqué de retrouver mon corps. Donc c'est donc la deuxième fois que je meurs en 4 épisodes. Ouais. J'ai clairement chié. Ok, on va essayer de retrouver son corps au plus vite. Donc heureusement j'ai pas mal de balles de côté. Mais j'ai quand même niqué cette balle, gratuitement. Et on va essayer de retrouver ce loup pour prendre notre revanche, bien entendu. Je vais pas laisser ça comme ça. Déjà, faut que je sois sûr de retrouver mon corps, histoire de pas être trop de mauvaise humeur. Ça serait quand même con. Alors, on va essayer de retrouver notre base. Donc, dans 100 secondes, on aura l'indice qui va revenir. Bon, pour l'instant, il y a des petites caisses, on va profiter. Là-bas, il y a un loup, et là, faut surtout pas mourir. Voilà. Hein. Donc, en passant, ça voulait dire, je fais mon tour de loot. C'est pour ça que finalement j'aime bien la grosse arme parce qu'au moins en 2 balles c'est réglé. Là il faut que. Bon, le problème c'est que j'ai l'impression que j'ai été précis moi. Ils m'ont dit. Ok le loup. Apparemment j'ai pas touché le loup à chaque balle. Je sais pas. Peut-être moi hein, qui ai vraiment mal visé. J'ai peut-être été très mauvais. C'est possible aussi. Mais on prendra notre revanche. Hein. Donc sur ce loup niveau 3. Je retiens. Je pense que les 100 secondes n'auraient pas tardé. Peut-être pas tarder à. Avoir notre base, on va essayer d'y aller au plus vite quand même. On va essayer peut-être. Hop là, ça y est. Alors il est où le petit point?
là-bas. Ok, je crois que je suis pas super loin en plus. Il me semble que je suis pas très loin. Donc je... Ah, alors là, il y a la base des chasseurs donc, qui est au-dessus. Attendez. Non, c'est la deuxième base, ça. On dirait que c'est la base des chasseurs que j'ai tué. Ils ont... Apparemment, je ne sais pas tous tuer. Hein, parce que, ouais, non, c'est pas la base. La base qu'on a vu avancer, c'était avec celle qui était là-haut, là-bas. Et là, je viens donc de croiser une nouvelle base de chasseurs. Et la base était plutôt bien avancée. Alors, je pense que c'est ce loup qui nous a tués. Non, c'était au-dessus. Donc, il me semble que je suis mort vers ici. Alors, maintenant, ouais, je vais encore galérer à retrouver mon corps. C'était pas en dessous, hein. C'était bien au-dessus. Hein. Je suis pas fou. Puisque j'y suis allé, je suis parti vers là-haut. Non, je pense que, ouais, elle est juste là, ma caisse. Non, ça, c'est scrap metal, pas du tout. Alors. Maintenant, en plus, il y a un ours. On va essayer de pas attirer. Ah, c'est juste là. Alors. On récupère tout. Je vais mettre à l'abri 2 secondes pour réorganiser tout ça. C'est toujours un putain de stress quand tu crèves. Parce que du coup... Oula. Il y a un loup qui squatte à côté de chez moi apparemment. Alors, donc il faut remettre les chaussures. Du coup j'ai un pantalon en trop, comme d'habitude. Le Lopix. Oh putain oui, ça aurait été quand même assez con de le perdre. Faut l'avouer. Alors, l'arme. Hop, la lumière, on s'en fout. Ma petite arme. Les balles en plus. Ici. Ici. Ok, on va essayer de ranger un peu le reste. On va recharger tout de suite. Hop, alors, ça, faut absolument pas que je le perde. Ici, les bandages. On en prend un avec nous. Hop, ça, on range. Les soins, on met ici. Ça, ça, elle est là. Ça, je prends sur moi. Ensuite, le caca, on met de côté. Ça, ici. Alors, ça, on va cacher, remettre bien. Hop, hop. Hop, hop, et hop, on n'en parle plus, on est bien. Ça, de côté, le reste on s'en fout un peu. Ok, donc c'est reparti pour du loot, donc au moins ça nous a permis de voir aussi. Donc il y a des chasseurs là-bas, alors je vais juste voir si c'est les mêmes que j'ai vu la dernière fois. Finalement la dernière fois j'aurais peut-être dû détruire la base entièrement. Pendant que j'y pense, hop, du scrap metal. Très bien. Non. Ah si, il y a un chasseur là-bas. Est-ce que on tente encore d'y aller? Alors, 1, 2, 3, j'ai le 5, j'ai le soin. Allez, il va falloir que je tue, je finisse, que je la défonce la base, hein, sinon il va revenir à chaque fois apparemment. J'essaie de voir s'il est tout seul. On va s'avancer un petit peu. S'il n'y a pas un autre chasseur qui... Il est là encore tout seul celui-là. Et il y a un cri ici, là-bas il y a une caisse de munitions. Ah, il m'a vu. Ah, il m'a encore tué. Ok. Alors je suis mort, voilà, là faut que j'arrête de faire des conneries. Ok, bon bah c'est reparti encore une fois. Alors là, si j'arrive à retrouver mon corps, ça serait juste une énorme chance. Donc là, j'avais même pas fait gaffe si j'avais eu toute ma vie avant de repartir au combat. J'ai même pas pensé, j'étais sûr de l'avoir tué, donc j'ai même pas pensé à me soigner. Ok, bon. Bah, c'est pas une super vidéo pour l'instant. Alors, je crois que je suis juste à côté de ma base. Ok, elle est juste là-bas. Alors, je vais sûrement retrouver mon corps assez vite. Mais, il y a le chasseur qui rôde pas loin.
On va faire en sorte qu'il ne tue pas une deuxième fois, sinon on va être plus que dans la merde. Hop, on va vite aller à notre base, on va essayer de récupérer le pompe peut-être. Le problème c'est qu'il faut quand même que je récupère assez vite mon corps. Faire gaffe que le chasseur ne traîne pas trop près. Alors. Hop. Alors si on retrouve encore notre corps, on aura vraiment de la chance. Alors ça, hop, hop, ok, hop, on va recharger le pompe. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ma vie si je mange une tomate? Non, ça touchera pas la santé, on va essayer de se faire vite fait. Kit de soins, heureusement que j'ai gardé ça. Hop, faut faire vite parce qu'on a un certain temps pour récupérer son corps. Hop, on va en craft 2. Comme ça, je me soigne une fois. Et si devant mon corps, je vois le chasseur, j'irai au charbon avec, avec le pompe. Alors ça, hop. Ça, c'est fait. Je charbonnerai aux pompes. Il faut absolument que je retrouve mon corps, sinon j'ai pas le choix. Non, on va mettre sur le 4, ce sera plus simple. Hop là. Ok, c'est parti. Alors. Déjà le loup, faut pas qu'il me fasse trop chier. Il faut que j'arrive à retrouver là où je suis mort. Ah, ça va pas être évident. Ok, il y a le chasseur là-bas. Alors, où est mon putain de corps? Il me semble pourtant que j'étais pas super loin. Et si on retrouve pas le corps, alors là, on va repartir de zéro, ça va être terrible. Allez, on va chercher un petit peu, il me semble que c'est vers là. Je sais plus exactement. J'avais mes deux armes modifiées dessus. Alors là, est-ce que j'étais plus près? Putain, c'est vrai que j'aurais dû faire un peu plus gaffe à là où j'étais. J'ai pas souvenir d'être si près du feu. Attendez, je suis juste là. Il y a mon corps juste là. Faut juste que je fasse gaffe de pas croiser le chasseur. Hop, on va se casser. Mais j'ai quand même bien envie d'y retourner, bizarrement. On va croire que j'aime mourir, mais non. Avant de gâcher trop la vidéo, je crois qu'on va aller faire du loot. Et qu'on y reviendra un peu plus tard. Il faut que je réorganise mon truc déjà. Et je pense que j'allais remettre mon pompe à l'abri. Qu'au moins, si je retrouve vraiment pas mon corps un jour. On va prendre des pantalons. Ça, j'en ai, c'est pas un souci. Alors. Voilà. Ça, ici. Ça, ici. Ça, ici. Hop. Ça, on n'est pas obligé de le mettre en bas. Ça prend de la place pour rien. Ok. On va ranger le pompe avant qu'il m'arrive une connerie. On va partir un peu looter. Et putain, je suis quand même rancunier. J'ai besoin de me faire de ce chasseur de merde là. Je vais pas me laisser emmerder par un chasseur comme ça quand même. C'est quoi cette connerie? Mais j'étais choqué quand même qu'il résiste à mes 2 ou 3 balles de flingue amurée. Ça m'a un petit peu choqué quand même. Alors, ça. Non, c'est dans l'autre coffre. Par contre, je vais juste prendre ça. Ça. Et je vais avoir besoin de munitions. Hop. Et là, j'ai déjà plus de trucs rouges. Donc là, c'est la galère de munitions, clairement. Alors le chasseur, je sais plus si les dégâts que je lui ai mis, si vont rester ou s'il faut que je le refasse tous les dégâts de A à Z. Est-ce qu'on retourne se le faire tout de suite ou est-ce qu'on va looter d'abord? Il me semble qu'il y avait une caisse de munitions là-bas.
Faut surtout que je pense à me soigner. Ça a été un peu mon défaut, c'est que j'ai pas pensé à me soigner du tout. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on se fasse quand même. Je vais passer mon épisode sur un chasseur quoi. On est déjà un quart d'heure de vidéo. Alors, on va essayer de pas se faire surprendre. Il est là-bas. J'ai failli oublier de recharger. A mis sa rouste. Pour une fois, on n'a pas été dégueulasse. Et là, j'ai qu'une envie, c'est putain de défourailler quoi. J'ai envie d'exploser la gueule, mon gars. Déjà, de 1, j'espère que t'étais seul. Franchement, tu me rends pas tout ce que tu m'as coûté, hein, garçon. Bref, j'ai qu'une envie là, c'est de détruire sa base. Le problème, c'est que j'ai pas envie d'utiliser des munitions. Et je sais très bien que ça sert à rien, comme d'hab. Oh, j'entends des bruits partout là, je suis stressé là. Et je sais très bien qu'à la hache ça va durer une plombe. Putain, c'est pas possible, il y a des potes. À chaque fois, c'est mon troisième que je suis ici quoi. Ou sinon, au pire, je vais voir si ça prend trop longtemps. Au pire, je fais une petite ellipse pendant que je détruis sa base. Mais là, j'ai vraiment envie de défoncer. Heureux les gens, bon, c'est beaucoup trop long comme ça, c'est pas bien grave. Je crois qu'il y aura un chasseur, au pire on ira lui faire sa fête, c'est pas un souci. On essaiera surtout quand on aura les grenades, quand on ira craft une grenade, on verra un petit peu si ça défonce tout en 2 secondes. Pour l'instant, ouh, yeah, une tomate. On va faire du loot. Ah, super important. On a besoin de se refaire une santé, là, que ce soit en munitions, en un petit peu de tout. Donc là par contre, on avait vu qu'on a au moins 3 bases de chasseurs autour de chez nous. Donc il y en a une pour l'instant qu'on maîtrise. À chaque fois, il n'y a qu'un chasseur qui respawn, donc ça peut aller. Cette base-là, on la maîtrise, mais on voit qu'ils mettent quand même un petit mur à chaque fois en plus. Donc on verra. On a découvert une autre base tout à l'heure quand on est mort, qu'on est revenu. Donc on a bien, il y a 2 bases très avancées. Donc bon, là c'est pour ça que je me dis, là faut que je fasse le plein de munitions, qu'on y aille et qu'on leur fasse leur fête un par un. Vous avez bien vu quand même que c'est pas non plus facile. Ok, je suis quand même pas une machine de tir, mais les chasseurs sont quand même costauds. Ils sont chiants quoi, ils courent plutôt de loin, ils courent bizarrement. C'est pas facile à viser, je trouve. Moi je trouve que c'est pas encore super facile à viser. C'est peut-être moi, mais. Donc là, faut qu'on fasse absolument le plein. Mais ouais, le chasseur, j'ai pas lâché quand même, on l'a niqué. Donc ça, c'est cool. On a vu. Une graine de tomate, ça c'est cool aussi. Hop là, il y a un grizzly là, ça c'est moins cool. Donc c'est reparti. Du loot, du loot, du loot, du loot. Et il faudra tuer un animal histoire de manger cette nuit. Niveau bouteille d'eau et niveau B, ça on est plus que bien. Après on est bien partout, hein. C'est juste les munitions, c'est pas facile d'en avoir beaucoup. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de trouver les putains de gros coffres là, cadenas là. On a un lockpick qu'on a toujours pas utilisé, ça fait quand même bien rager. Donc allez, je sens là, dans cet épisode, on va le trouver. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va le trouver. Oula. Ah oui, putain, ouais, j'ai eu du mal à le voir celui-là. Hein. Vas-y, laisse-moi tranquille, je vois qu'il y a une caisse de munitions là-bas. Ouais, il m'a laissé tranquille, normalement c'est bon. Ok, bah c'est bien. J'ai refait le plein de petites munitions. Donc là, je suis revenu à comme tout à l'heure. Donc du coup, le chargeur que j'ai vidé sur le loup, on va dire qu'il est oublié. Hop là, plante médicinale, ça, on va en prendre aussi. Là-bas, on a une caisse. C'est une caisse de construction, c'est pas trop ma priorité. Je vais pas me fighter avec un loup et un ours juste pour ça. Là, il y a de la pierre. On va en prendre. Là-bas, c'est un loup. Est-ce qu'il y a moyen
te prendre sans s'abaisser. Oui, parfait. Ok, potassium, bon, c'est pas grave, on prend quand même, hein. Allez, là, je veux vraiment une putain de grosse caisse, les mecs. Là, ça me remontrait un petit peu le moral de cet épisode pourri que je viens de sortir. Je suis mort deux fois dans cet épisode, c'est quand même merveilleux, ça. Là, je crois qu'il y a les chasseurs pas très loin, mais... Je crois que j'ai plus de peur de mourir maintenant. Oula, oh putain. Je vois des chasseurs partout maintenant. Oh là 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 là. T'as besoin de la niveau énergie, je suis vraiment juste pas bien, quoi. Ouais, protéines. Là, il faut que je tienne un animal et qu'il me donne de la bouffe bien comme il faut. Bon, j'aurais aimé faire un grizzly, quoi. Level 3, ça fait chier quand même. Et je veux une grosse caisse, allez, putain, les mecs. Sans déconner, quoi. Putain, dans l'épisode d'avant, quand je faisais les parties solo, j'avais, il y avait une grosse caisse souvent, quoi. Limite, c'était souvent. Là, j'ai en croisé une ou deux depuis le début de notre partie ensemble, donc... Bref, alors là, j'ai plus d'énergie du tout. On va essayer d'y aller mollo. Alors là, il y a un loup. Là, j'ai besoin de reprendre confiance, donc on va y aller... Arrête de bouger, toi. Mignon. Là, ça devrait aller. Vas-y, vas-y, cours derrière un arbre que je te vois pas. Ok. Bon. Pas trop mal. J'ai foiré une balle, j'ai vu, quand même. Bon. Est-ce qu'on va avoir de la chance... Oh, ah, les gamins. Est-ce qu'on va avoir de la chance sur le loot de la bouffe? Allez mec, il me faut au moins un gros morceau ou deux petits morceaux. Deux petits morceaux. Bon allez, je me plains pas. J'ai eu un peu ce que je demandais. C'est parfait. Tant qu'il fait jour, on va continuer à looter. Hein, on bouffera en fin de journée. Et même là en loot, j'ai pas beaucoup de chance pour l'instant. On dirait la protéine, finalement, j'ai mes poules aussi, hein, qui me donnent des œufs, donc j'aurais peut-être pas forcément besoin de viande, maintenant. Alors là-bas, il y a une grosse caisse, hein, je la vois de là. Ah, c'est bon, toi, laisse-moi tranquille. Franchement, j'ai assez donné aujourd'hui. Putain, il me court pas après, là, quand même. Ah putain, il me suit, quand même, le mec. Putain, moi, j'ai cru que c'était une grosse caisse plate. Bon, faut que j'arrête, hein, de me faire des idées. Je n'en aurai pas dans cet épisode, je l'ai bien compris. Bon, par contre, à part tuer un chasseur, là, on n'a pas fait des masses. Là, je vais mettre ça au cas où il me respawn un chasseur, on sait jamais, je les connais. Et on va aller au moins couper du bois, parce que même niveau de caisse, j'ai pas grand chose. Là, je crois qu'il y a une caisse là-bas. Ok, c'est un arbre. Il y a une caisse. Oh, ah, attendez. Non, je vois des grosses caisses partout là. J'ai. C'est une caisse de munitions par contre. Bon, on va couper au moins du bois. Et peut-être commencer. Là, il y a une caisse juste à gauche, je crois, dans les hautes herbes. Dans les hautes herbes, là, qui se croise sur Pokémon. Juste à gauche là, je sais pas si vous la voyez. On va aller voir un peu de plus près après. C'est ça. Attends, il y a un loup juste là. Ah, c'est le même que tout à l'heure, il nous fait chier. Ok, parfait. Ah, il vient vers nous en plus, quoi. Putain, le relou. Bon, je crois juste qu'il marchait, il nous a pas vu. D'un côté, il a lâché la caisse de munitions. On va aller la chercher. Avant que la nuit tombe. Hop. Hop. Alors la caisse de munitions, est-ce que je vais pouvoir la prendre tranquillement? Tranquillement, ça c'est sûr que non. Ah, vas-y, il m'a saoulé lui.
Ah mais ouais mais oui mais fallait pas me chercher hein. Tu m'as Depuis tout à l'heure je te laisse un peu la vie sauve entre guillemets et puis tu cherches. Tu me cherches, tu meurs. Ok bon. 3 bouts de steak. Puis il manque quand même qu'on rentre hein, pour se refaire une santé là parce qu'on est quand même pas en grande forme. Oh le mec s'arrête juste avant la fin mais quel boulet. Ah ça y est sauvé. Ok. Bon d'un côté, je dépense 2 grosses munitions pour tuer un loup pour presque rien avoir au final, c'est un peu dommage. Là, on va couper au moins quelques arbres avant qu'il fasse vraiment nuit. On va faire quelques planches dessus. Alors, hop. Ok, parfait. Bon, au moins dans cet épisode, il y aura au moins eu de l'action, c'est déjà ça. Je dois avoir un pied de tomate qui a dû pousser déjà. Je vais aller ramasser les tomates. Il faudra sûrement s'occuper de nos petites poupoules. Hop, hop. Allez, on fait ça avant qu'il fasse trop noir. Et après, de son pour finir l'épisode, j'ai mis la lumière exprès pour pouvoir faire la fin d'épisode tranquillement avec vous dans la maison. Ok. Là, après, on va faire les arbres devant chez nous. Putain, ça tombe tellement vite la nuit. Alors on va faire cet arbre là. T'as la lumière. Ah oui, alors, ça c'est beau ça. T'as la lumière, j'ai laissé tourner toute la journée aussi. Ok, pas grand chose mais c'est pas grave. On prend quand même. Allez mon ami, coupe. Coupe, coupe, coupe. Pendant qu'on s'occupe du jardin des poules, on va lancer le craft des planches parce que peut en avoir quand même pas mal à faire là. Alors, on a 29 morceaux de bois, je crois. Alors, les planches. Ok, parfait. Par contre, j'étais un petit peu con. On va se refaire juste quelques bûches pour le feu, pour nous faire manger. On prend la caisse là, on s'occupe des poules, du jardin, on rentre dedans. Et on fait la fin d'épisode avec quelques planches au-dessus pour commencer le deuxième étage de notre maison. Mais après les chasseurs ils ont pas l'air de venir chercher la merde non plus. Pour l'instant ils sont un peu pacifiques. Bon après si tu traînes vers chez eux par contre ils viennent et te pètent la fessée direct. Alors si ça vous aide à avoir un petit peu plus. Alors 4 œufs. Ouh ça c'est cool. Par contre ils sont pas en super forme. Ça devrait le faire. Là normalement j'aurai des tomates de fini. Mon terrain. Tiens j'ai beaucoup de caca. Spit, une bouteille d'eau et j'ai eu droit à 2 graines de tomates il me semble. Voilà, du coup avec les 2 tomates elles vont aller à mes poupoules cette fois les 2 et tout va pour le mieux de ce côté là maintenant. Voilà la magnifique lumière. Alors on va se faire un petit feu, l'allumette. Oh j'en ai eu beaucoup là. Ah, déjà je suis mort 2 fois. Ça aide. Alors. 1, 2, 3. Non, je me suis fait allumer toute seule, j'ai mis le sous. Ici. Hop, on allume. J'ai eu aussi 4 graisses. Et j'ai pas mis de fuel, putain, mais je suis récupérable. Tout simplement. Irrécupérable, mec. Donc je disais. Hop, la graisse s'est mise. Alors ça, avec ça, hop. Alors par contre, je viens de penser à un truc. Je crois que ça fait plusieurs épisodes que je suis pas allé voir mon truc d'eau. Je dois avoir un nombre de bouteilles. Ah oui, je l'avais éteint. Ah le mec est un putain de sale con. Oh non. Putain, je suis... J'irai pas au bout de ma phrase. Hein. Ok, donc du coup, heureusement que j'y ai pensé parce que j'aurais été en rade d'eau assez rapidement. Moi j'ai 4 bouteilles ici. La pomme en plus, on va la manger. Alors ça, ce que j'ai récupéré sur le mec, un bandage. Il m'en faut un. Alors là par contre, si je laisse cramer ma viande, je vais être de mauvaise humeur. La peau ici, les œufs ça va ailleurs. Pourquoi prendre un risque inutile? On peut bien prendre 30 secondes. Ouais, mais le temps c'est précieux. Alors qu'est-ce qui va ici? Les berries. Hop. Ça. Ça.
ça, scrap metal. Hop. Parfait. Alors la viande, c'est prêt. Alors, 1, 2 et 3. Normalement, je devrais être au top du top. Voilà, je suis remonté à fond, nickel. Ça, ça ira dans l'autre. Ça dans l'autre, mes œufs. Voilà, on commence à avoir 7 de côté. Bientôt, on aura limite plus besoin de tuer d'animaux. C'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai froid. Ça, c'est sûr. Mais on a quelques trucs à faire. Alors déjà, je dis que c'était des wall sailing qu'il me faut. Alors, on va faire tout ce qu'on peut. Alors, 1, 2, 3. On peut en faire un quatrième avec des clous. Hop là, parfait. On va reposer ça là. Ça ici. Les planches, on garde. Ça, j'en ai fait un deuxième ici, parfait. Voilà, c'est bon, ça c'est rangé. Le reste de caillasse, on met ici. Ça va où? Ça va là. On va monter pour commencer à faire notre deuxième étage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je confirme, mon perso a froid. Voilà, alors on va essayer de mettre dans le même sens que d'autres. Ça me paraît pas mal comme ça, non? Hop là, nickel. Alors, toi, viens ici. Alors, 1, 2, 3, c'était 6, hein, il me semble. Oui, un petit truc de soin, mais qu'est-ce qu'il est con. Mais il est con jusqu'au bout, celui-là, vous allez vous dire. Je confirme. Hop. Hop là. Et là, comme ça, on va pouvoir faire des murs pour faire un magnifique deuxième étage. Donc 7, pas 6, hein, t'es gentil. Hop là, normalement on arrive pile pour le bout, c'est parfait, et on en a fait encore un. Hop. Oh oui, j'ai bien soin. Ah non. Oh putain, mais c'est pas possible d'être aussi con. Oh la vache. Oh la vache. Voilà, ah de là je reçois la température en plus du chauffage, donc c'est parfait. Bon, bah ça commence à être sympathique ici, ça commence à ressembler à un vrai petit chalet. C'est mignon. C'est très très mignon. Ouais, donc je pense qu'on va se laisser là. On doit être à, je pense, facile à demi-heure d'épisode. Donc j'espère que ça vous a plu quand même de voir donc mon personnage mourir deux fois, mais retrouver son corps bien sûr, d'avoir quand même tué un chasseur, d'avoir amélioré notre arme. Donc j'ai pas encore réellement vu la différence de puissance moi, mais bon, par moi j'ai 20 puissances de plus. On a commencé à re-agrandir notre base. Donc après là il ne nous manque plus que, si je dis pas de conneries, une, deux planches seulement pour finir, et après on va faire des murs pour faire donc un beau deuxième étage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un beau petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Midoban, à très vite pour le prochain épisode. Merci.